Bonsoir à tous. J'espère que vous avez tous passé un excellent jour férié, que vous êtes bien reposés. Et je fais un petit audio pour finir la soirée. Je vais mettre aussi des images en bas pour que vous puissiez voir. Mais j'ai envie de parler d'un sujet, étant donné qu'on est jeudi et que c'est sous le signe de l'expansion. Je voulais aussi justement qu'on puisse voir rapidement aussi la peur. Parce que juste avant, j'étais justement en train de regarder vidéo sur YouTube, en train d'écouter la musique, et trois bandes annonces de suite, j'ai eu des bandes annonces de films d'horreur. jeux vidéo d'horreur, et après j'ai eu deux bandes annonces de films d'horreur. Ça m'a bien fait rire. Et j'ai regardé du coup sur Allociné rapidement, et j'ai vu la tonne entre le retour de l'autre là, de Clown et compagnie, tous les films d'horreur qui sortent en pagaille ces derniers temps, et je me suis dit, ils sont vraiment dans l'abus. Ils sont vraiment dans l'abus. Et je sais pas si vous avez ressenti cette chose, mais on est en train en tout cas de vous vendre de la peur, en train de nous vendre de la peur encore plus fort que tout. C'est pour une seule raison, c'est pour diminuer vos vibrations et que vous ne puissiez pas profiter des énergies qui sont actuellement en train de venir sur Terre. Parce que oui, tout est vivant, tout respire, tout vit. À différentes fréquences, la Terre aussi vibre, et on appelle ça donc la résonance Schumann. Et la résonance Schumann actuellement sur la Terre est en train d'augmenter. Vous avez des tremblements de terre aux quatre coins du monde. La Terre est en train d'augmenter en vibration et c'est en train de bouger dans tous les sens. Sauf qu'on vous concentre uniquement votre attention sur une certaine affaire dernièrement. Je ne mettrai pas d'énergie dessus, mais vous savez très bien de quoi je parle. Et vous ne savez pas du tout en fait la vraie actualité. L'actualité, ce n'est pas le pantin qu'on est en train de mettre devant vos yeux pour que vous oubliez en fait tous les gouvernements qui sont trempés dedans. La vraie actualité, c'est la Terre qui est en train de monter en vibration et que vous aussi vous êtes en train de ressentir des vibrations beaucoup plus élevées. Mais que ces vibrations beaucoup plus élevées sont annihilées dès que vous êtes dans un sentiment de peur. Parce que ça a diminué en fait l'intensité de votre rayonnement électromagnétique et ça fait du coup que vous ne pouvez pas profiter de ces énergies. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, vous pourrez aller voir le late night radio du Lions Gateway qui est sorti du coup la semaine dernière. Vous pourrez aller voir les énergies qui arrivent actuellement sur Terre sont très puissantes et tant que vous êtes dans un état d'esprit de peur, vous ne pouvez les recevoir. Donc je vous invite en tout cas, si vous aimez les films d'horreur, bah écoutez, vous arrivez à passer au-dessus, c'est très bien, mais à vous libérer des émotions de peur et vous allez me dire, mais... De toute façon, j'ai pas peur, machin, ou... Mes émotions de peur, ils sont tellement alignés à votre quotidien que, en fin de compte, vous vous rendez même pas compte. Des petites secondes, bougez pas. On s'en rend même pas compte. Première chose, chose toute bête. Et ça tombe tellement dans le sens quand on regarde. C'est en fait tout l'univers est mental. L'univers est mental. Et si vous voulez, aujourd'hui... Rigoler chaque fois que vous voyez les médias, que vous voyez toutes ces choses, travaillez votre subconscient. Travaillez votre subconscient. Votre subconscient. Le mot subconscient subordonne le conscient. 90% de votre journée, c'est votre subconscient. Et le subconscient, ça va aussi bien de ce que vous mangez, et ça va aussi bien de votre nourriture visuelle, olfactive, auditive et même environnementale. C'est-à-dire que les personnes que vous côtoyez ont des énergies avec eux, et que si vous côtoyez des personnes qui sont en train de vibrer bas, c'est-à-dire des personnes qui sont uniquement en train de se plaindre, ou qui sont tristes parce que leur copain les a quittés, ceci, cela, et que vous êtes là, quelqu'un d'empathique en train de dire « mais c'est pas, ça va », et bien vous êtes en fait en train de perdre votre énergie, et ces personnes qui sont... des gros vampires énergétiques, même s'ils vous montrent le contraire ou qu'ils font comme s'ils étaient les plus malheureux du monde, ces personnes-là sont en train de pomper votre putain d'énergie. Donc déjà ça, évitez. L'alimentation, tout ce qui est inorganique, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas naturel, donc vous savez, il y a tellement de panels, on va aller directement au plus simple, on va parler KFC et toutes ces choses-là. Il y a des organismes génétiquement modifiés à l'intérieur. Génétiquement modifiés à l'intérieur. C'est-à-dire que ça modifie votre ADN et ça fait que votre ADN, du coup, vibre pas. Votre ADN, c'est votre sang, c'est ce que vous voyez avec ce qui est projeté après avec vos yeux.
Lorsque vous vous intéressez à la science, vous comprenez des choses tellement pointues après que ça devient vraiment exceptionnel votre vision du monde. Concrètement, ce que vous voyez, que vous êtes en train d'observer, c'est une illusion. Mais cette illusion, en plus de ça, elle est marquée par ce que vous mangez. Parce que ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous pouvez observer avec vos yeux, concrètement, c'est la projection, non seulement de votre mental, mais c'est la projection de votre premier cerveau. Et votre premier cerveau, c'est votre ventre. Donc concrètement, ce que vous mangez, c'est ce que vous allez après voir avec vos yeux. Physique. Ok. Ah non, l'enregistrement est freestyle. L'enregistrement est freestyle, mais c'est pas grave. Ah, j'ai tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Ça tombe tellement dans le sens que ça me fait. C'est putain un plomb. Pour ceux qui ne voient pas, en tout cas, ça. J'allais dire, l'alimentation. Votre ventre, c'est votre premier cerveau. Donc si vous mangez inorganique, si vous mangez des choses qui vous font vibrer bas, vous allez vibrer bas et vous allez tourner vers des choses qui vont vous faire vibrer bas. Première chose, votre cerveau subconscient, il y a deux moments dans votre journée où il est ouvert et vous pouvez le programmer. C'est-à-dire vous pouvez vous programmer vous par rapport à votre volonté personnelle, vos focus et vos projets personnels. Et votre subconscient est piraté lorsque la première heure ou dès le début de votre journée, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez la radio, vous allumez la télé, et on vous met les informations, les news, et on vous programme concrètement ce que vous allez avoir dans la journée. Donc on va vous parler du fameux sujet à la une actuellement que tout le monde parle, qui est vraiment, c'est vraiment une distraction par rapport à ce qui se passe réellement sur Terre et les augmentations d'énergie qui est en train de se passer. Vous avez, deuxièmement, on va vous parler du match de foot du soir. Comme ça, vous allez prendre une bière après avec vos copains le soir, au lieu de vous concentrer sur vous et faire une heure de méditation. Et troisième chose, on va vous parler, je sais pas moi, d'un scandale, d'un people qui a perdu son chien ou qui a divorcé, quoi. Une chose que, concrètement, vous en avez strictement rien à foutre. Mais du coup, on va vous plonger, on va vous le mettre en une dans les journaux. Et quand vous allez après arriver au travail, vous allez avoir un putain de portail organique qui est uniquement qu'un agent de la matrice qui va répéter ça comme un perroquet. Et vous, comme vous l'avez vu dans le journal, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ah bah, vous allez commencer à blablater là-dessus. Alors qu'il y a tellement de choses à parler qui sont beaucoup plus intéressantes que ces merdes. Ah oui, faut le dire, c'est de la merde, parce que ça vous détourne de vous. Mais que ça arrive à un tel point aujourd'hui, ça arrive à un tel point que lorsque vous vous concentrez sur vous et sur votre essence, ça devient tellement absurde. Et c'est même plus, vous êtes même plus en train de lutter. C'est simplement que vous posez juste les yeux sur les faits 3 secondes et vous voyez la médiocrité et le vide qui est à l'intérieur. Du coup, vous avez deux cas. Le premier cas, c'est quand vous voyez en fait que tout autour de vous est des grosses farces qui vous détournent de vous. Vous avez envie de pleurer, vous dites mais c'est pas vrai, tout est faux en réalité. Et le deuxième cas, c'est quand vous avez compris déjà que c'est faux et que vous avez tellement de richesse après en vous et tellement à prendre, tellement à partager, c'est que toutes ces choses en fait, bah du coup vous font rire. Et je vais finir rapidement parce que j'ai envie de faire un audio freestyle un peu trop long. Mais je vais finir sur deux ou trois, ouais, trois choses. Déjà, faites une semaine sans télévision. C'est valable. Vous tapez sur internet, télévision, programmation mentale. Quand je parle de subconscient, la télévision, c'est ce qui programme votre subconscient de A à Z. Télévision, tell lie to your vision. Tell a vision. Ça vous donne une vision de la réalité, mais ça ne vous donne pas la réalité. Ça vous donne une réalité. Quand vous allumez la télé, vous avez des chaînes et vous avez des programmes. Je vous fais un dessin. Vous avez des chaînes et des programmes. Les chaînes et les programmes sont les chaînes que vous mettez vous-même. Parce qu'on vous dit aujourd'hui, il faut que tu sois un esclave mental pour nous asservir, pour que tu puisses pas réfléchir par toi-même. Mais le luxe, c'est que tu vas pouvoir toi-même choisir tes chaînes et tes programmes. Donc si t'es un homme assez dynamique, on va te dire, bah prends Beansport, comme ça va être lobotomisé avec du foot, avec leur cirque romain à l'ancienne. Si t'es une femme, on va te dire, mets-toi au twerk, parce qu'aujourd'hui toutes les femmes doivent twerker, aujourd'hui c'est uniquement la danse, et il n'y a plus du tout de savoir ou de philosophie par rapport à ça. Sinon si tu sais pas twerker, bah du coup t'es une has-been, donc voilà, mets-toi M6 Music Plus, hop. On va vous mettre des chaînes et des programmes pour que vous soyez vous-même esclave et vous aimez vos limitations que vous fixez à vous-même. Ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, regarder des symboles comme notamment la swastika. La swastika, c'est le fameux symbole d'Hitler. Regardez la vraie signification de la swastika. Et regardez sur internet la vraie signification de la swastika. Ça s'écrit S-W-A-S-T-I-K-A. Je pourrais vous l'expliquer, mais je veux que vous ayez vous-même, en fait, que vous voyez par vous-même, que quand vous faites des recherches, vous pouvez tomber sur des choses qui vont vous ouvrir les yeux par vous-même. Vous les entendre par moi, c'est une chose, mais que vous ayez vous-même fait la recherche par vous-même, là, tout à l'heure, en prenant 2 minutes, comme vous le faites déjà pour rechercher vos stars sur les réseaux. De la même manière, tapez le mot swastika, vous allez voir le fameux signe d'Hitler qui résonne avec de la peur du machin. Vous allez voir la vraie signification de la swastika. Et là, vous allez comprendre qu'il y a un truc qu'on est en train d'essayer de me rentrer dans le crâne, et que si je connaissais la signification de la swastika, bah, je l'aurais étudié davantage, et ça m'a ouvert sur beaucoup de choses. Et dernière chose, cette vidéo, elle va vous donner beaucoup d'informations, ça va vous ouvrir beaucoup de choses, sans prétention. C'est la mort est une putain d'illusion. Oh, mais non, mon grand-père, la mort est une putain d'illusion. Parce que quand vous comprenez que tout est énergie, l'énergie ne meurt pas, l'énergie se transforme. L'énergie se transforme, mais l'énergie ne meurt jamais. Donc quand vous voyez donc quelqu'un mort, la seule chose qui est réelle, c'est votre peur. Parce que la personne, en fin de compte, elle transcende, elle part dans une autre fréquence. Si aujourd'hui, quelqu'un part, notamment avec en étant serein, en sachant en fait toute sa réalité, en étant connecté à son âme, cette personne va du coup partir à son niveau de fréquence dans d'autres dimensions. L'univers ne connaît pas ce qui est positif, négatif. L'univers reconnaît l'énergie. Si vous vibrez haut, vous allez aller sur une fréquence élevée. Si vous vibrez bas, vous allez aller à une fréquence basse. Si vous êtes quelqu'un qui est le système prédation, même si vous ne vous en rendez pas compte, qui mange de la viande, qui a des instincts animaux, ainsi de suite, qui est dans la colère, des choses, vous êtes en train de vibrer bas. Quand vous allez partir ici, soit vous allez vous réincarner, soit vous allez dans la prochaine vie, vous serez un animal. Parce que vous aurez régressé en fait par rapport à votre plein potentiel. Vous avez un outil, votre corps physique, c'est un outil. Mon ventre là, il est en train de... Vous voyez, mon cerveau, il me parle aussi. Vous voyez, c'est quand je te parle des choses qui me tiennent à cœur. Mon ventre, il a fait un bruit de malade. Enfin, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est pas grave. Je fais ça en freestyle. Et voilà. C'est grave, c'est très très grave. Simplement, voilà, si vous mangez de la viande, si vous êtes dans un état de prédation, de haine, de colère, ben, en fin de compte, c'est ce que vous allez après être dans votre prochaine vie. Si vous vibrez haut, vous allez passer d'un être humain à un être céleste. Et vous allez quitter cette sphère, en tout cas. Et vous allez rejoindre d'autres civilisations qui sont beaucoup plus élevées dans d'autres plans. Et ça peut être paraître fou, mais c'est parce que c'est tellement fou, justement, et qu'on vous met dans un monde qui est tellement illusoire à côté que vous ne pouvez, et vous n'y croyez pas. Posez-vous la question simplement pourquoi au cinéma, vous avez plusieurs types de films. Vous avez la comédie dramatique, vous avez des films fantastiques, vous avez des films policiers. Mais dès qu'il s'agit de science, on parle de science-fiction. Vous n'avez jamais de comédie-fiction, vous n'avez jamais d'aventure-fiction ni de drama-fiction. Mais vous avez de la science-fiction. C'est pour que votre subconscient fasse une dissociation et que vous pensiez que c'est irréel, alors qu'on parle uniquement de vous en termes d'énergie, et qu'on vous met en extérieur des énergies que vous avez à l'intérieur de vous, et on vous déconnecte de votre subconscient en mettant le mot fiction, comme ça vous n'approuvez pas ça au fond de vous-même, et vous ne vous connecterez jamais à votre ultime réalité qui est au-delà de ce monde. Le titre, ça va être La peur et l'expansion, Fear and Expansion. Demandez-vous pourquoi on essaye autant de vous faire peur. C'est que la peur est une illusion et derrière la peur, il y a l'expansion. C'est jeudi, c'est Jupiter. Expansion. Et maintenant, action. Bonne soirée à tous.